bienvenue sur AutoZone Réunion. Nous voilà donc dans la première nouveauté de Francfort qui arrive justement à la Réunion, c'est Toyota qui est le premier à présenter sur l'île sa nouvelle Yaris, celle de troisième génération. Alors évidemment c'est un véhicule qui depuis 12 ans profite vraiment d'une réputation en béton armé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fiabilité. Alors cette troisième génération, elle a un peu grandi, mais néanmoins l'auto reste toujours très compacte. Elle fait aujourd'hui 3,88 mètres, ce qui fait d'elle une encore des plus petites de la catégorie. Alors le fait qu'elle grandit, ça profite au coffre évidemment, aux places arrière. Les passagers arrière ont gagné à peu près 3,5 cm pour les jambes. Évidemment, ça n'en fait pas une limousine, mais néanmoins, on apprécie l'effort. Alors, au niveau de la qualité de fabrication, pas de problème. On sent que c'est une Toyota, on sent que c'est du solide. Les assemblages sont bien faits. Néanmoins, la qualité des matériaux est toujours très moyenne. Ça n'a jamais été une des forces de la Yaris. De la finition, donc au niveau de l'aspect des matériaux, de la rigidité, c'est pas encore au top. Alors on se consolera en disant que dans 10 ans ce sera dans le même état, hein, parce que c'est vraiment du solide. Par contre, alors nous ce qu'on apprécie évidemment, là on est dans la version style, alors c'est ce petit écran. De toute façon, on pense que c'est la version qui sera le plus vendue, la version style. Et c'est ce petit écran tactile. On dispose évidemment de toutes les fonctions du véhicule. Très intuitif, vraiment facile à manier. Et on peut aller régler le véhicule, les paramètres du véhicule. On peut aller paramétrer son téléphone, son iPhone, mettre sa musique qu'on a sur iPod par exemple, et même tous les films qu'on a sur son téléphone. Ouais, hein, c'est assez pratique. Ensuite au niveau technique, elle n'a pas vraiment évolué, hein, elle est toujours disponible 1 litre essence 68 chevaux, 1 litre 3 essence 100 chevaux. Et puis, comme 74% des ventes se feront en diesel, alors on a essayé ce modèle, le 1,4 litre D4D, 90 chevaux, comme avant en fait. La seule différence, c'est que le moteur est disponible beaucoup plus tôt. Il n'y a pas forcément plus de couple, mais quand on accélère, le couple arrive en dessous des 2000 tours minute, c'est-à-dire à peu près vers 1800 tours minute. Alors ça donne un agrément de conduite meilleur évidemment. Deuxième point important, la direction. Alors on a maintenant affaire à une direction électrique. Et ma Toyota l'a parfaitement calibrée. Alors elle est plus souple, plus agréable, et néanmoins l'auto n'a rien perdu en précision de conduite. On a un bon feeling du train avant. Et avec ça, ce qui est bien, c'est que le châssis il tient parfaitement la route et la voiture prend très peu de roulis. Troisième point important que moi, encore une fois, j'apprécie, c'est qu'avant dans la Yaris 2, je trouvais 1,4 D4D un peu bruyant peut-être, et bien dans cette troisième génération, Toyota a au moins soigné la sonorisation. Alors sur grande route c'est vraiment un plaisir, mais même sur le chemin sinueux là comme aujourd'hui où on a affaire un peu à des on fait des petites accélérations dans les tours, et bien il n'y a pas de souci, le moteur se monte jamais
trop présent, il n'est pas horripilant du tout à l'oreille, donc c'est vraiment très agréable. On va faire demi-tour. Alors maintenant, au niveau de la ligne, Toyota, il faut bien qu'ils fassent avec leur temps. Avant, la Yaris, c'était une voiture plutôt arrondie, plutôt féminine. Aujourd'hui, elle devient plus agressive, avec des lignes plus tendues, plus anguleuses. Alors, personnellement, nous, on adore. En attendant, évidemment, une version qui sera un peu plus sportive et surtout une version intéressante que nous, on attend, c'est au deuxième semestre 2012. Ce sera la version hybride. Ce sera un tout nouveau moteur Toyota hybride. Et donc ce sera un véhicule vraiment à essayer de toute urgence. En attendant, cette Yaris de 3e génération donnera vraiment un peu d'air à Toyota, parce que ce segment représente à peu près 50% des ventes à la Réunion. Et Yaris, cette Yaris de 3e génération a les moyens de prendre le commandement au niveau de part de marché. Donc voilà, on voulait vous faire une petite présentation dynamique du véhicule. En espérant vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.